Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous parler dans cette nouvelle série d'un sujet d'une importance capitale. Effectivement, il y a un être, il y a environ 2000 ans, qui a bouleversé l'histoire du monde en étant la source de la deuxième religion monothéiste, le christianisme, qui aujourd'hui rassemble environ 2,5 milliards de fidèles, ce qui en fait la plus grande religion au monde. Pourquoi les juifs n'ont pas cru en lui? Pourquoi les juifs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pris la peine de dévoiler ouvertement leurs arguments comme le font les chrétiens ou les musulmans sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. Il y a des centaines de vidéos de prosélytes chrétiens qui pullulent sur Internet afin de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël ou par le monde. Il y a même des vidéos qui mettent en scène des juifs non avertis ou ignorants sur ce sujet devant des chrétiens qui tentent de les faire changer d'avis, voire les convertir. Combien de juifs et de chrétiens à travers le monde ont vu ces vidéos, qui peuvent se montrer parfois très convaincantes, ou combien ont lu leurs livres qui peuvent paraître parfois tellement persuasifs? Combien de juifs se sont convertis à travers l'histoire par faute de connaissances? Et c'est compréhensible malheureusement, car quand on cherche sur ces mêmes réseaux sociaux ou dans la littérature juive des réponses aux chrétiens, ou tout simplement la position du judaïsme face à ce sujet, on ne trouve quasiment rien. Et même sur le peu qu'il y a, les réponses des chrétiens reprennent les arguments juifs et les détruisent ensuite, plutôt facilement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais pourquoi? Déjà, la religion juive n'est pas une religion prosélyte. Nous l'expliquerons plus tard pourquoi. Et il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un peu de connaissance en histoire pour savoir que l'histoire du peuple juif à travers le temps l'a empêché de s'exprimer sur sa position face à ce sujet. Mais ce temps est révolu. Le temps où les juifs ne pouvaient pas répondre aux nations du monde. Le temps où l'on subissait la censure quand on osait émettre un avis sur le christianisme ou lorsqu'on souhaitait dévoiler la vraie histoire de Jésus selon les écritures juives antiques. C'est pour cela qu'avec ces séries de plusieurs vidéos, nous allons enfin dévoiler au monde entier la position du judaïsme à l'égard de Jésus. Plus globalement, du christianisme. Et pourquoi les juifs n'ont pas cru et continuent de ne pas croire en lui? Les chrétiens affirment que Jésus est le Messie tant attendu depuis tellement longtemps par Israël. Mais les juifs s'obstinent à ne pas croire en lui, ce qui est selon eux une énorme erreur de notre part. Pourquoi croient-ils en cela? Et pourquoi, malgré notre attente du Messie, on ne veut pas croire une seule seconde en leur argument? On va expliquer cela. Dans un premier temps, essayer de comprendre et d'analyser les arguments et les preuves des chrétiens à propos de Jésus. Et pourquoi, selon eux, il est le Messie tant attendu par le monde entier? On a choisi, pour bien comprendre leurs arguments, selon nous et selon le nombre de vues sur YouTube, la vidéo qui est la plus pertinente, la plus convaincante et la plus intéressante pour prouver que Jésus serait le Messie, voire Dieu. Il y en a énormément sur le sujet, mais celle-là regroupe tous les arguments de tous les chrétiens. Cette vidéo a plus de 1,1 million de vues, ce qui est énorme pour ce genre de contenu et surtout en si peu de temps, un an et demi à peine. Ce qui est bien dans la vidéo qu'on a choisie, c'est que son auteur est au courant de nos arguments et il a lu apparemment le peu de livres que nous avons sur le sujet et tente d'y répondre avec beaucoup d'assurance. Nous allons reprendre la vidéo du début à la fin en répondant à 100% aux arguments cités sans en sauter un seul. L'auteur de la vidéo que nous allons appeler MDN, comme le nom de la chaîne YouTube Marie de Nazareth sur laquelle est publiée la vidéo, va regrouper en une vidéo les 30 preuves du christianisme que Jésus est le Messie. La vidéo est divisée en plusieurs parties. La première, l'introduction ou MDN, explique plusieurs choses, notamment l'importance capitale de certaines prophéties qui sont la raison de croire en Jésus. La deuxième parlera des 30 prophéties qui tentent de prouver que Jésus est le Messie, la Trinité, l'aspect divin de Jésus, etc., etc. La troisième partie concerne les trois seules objections des Juifs selon les chrétiens et on conclura avec la quatrième partie, la conclusion. Alors, que dit MDN dans son introduction ? On va l'écouter. Donc on va parler aujourd'hui des prophéties bibliques et on va en regarder une trentaine à peu près. Alors ce sujet des prophéties, il est important pour Jésus d'abord, parce que si vous regardez ce que Jésus fait dans sa prédication, il parle sur les routes et il pense que sa parole doit suffire. Mais il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Et donc il désigne tous les miracles qu'il a fait pendant 3 ans, des œuvres que nul autre n'a faites. Et puis il ne dit pas que ça, il y a la parole, il y a les œuvres, mais il dit aussi, regardez, les écritures s'accomplissent. C'est-à-dire que l'argument de l'accomplissement des prophéties ou du fait que l'écriture lui rend témoignage est très important pour Jésus, il en parle souvent. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Voilà. Comme le dit MDN, il faut que s'accomplisse tout ce qui est dit de Jésus dans la Bible. Et on va voir si c'est vraiment le cas ou non. Continuons.
Et puis c'est important pour la Vierge Marie aussi, parce qu'au temps de Marie, on attendait le Messie, et quand elle reçoit la visite de l'ange, une des premières choses qu'elle dit, c'est que Dieu s'est souvenu de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc le sujet en lui-même, il est apologétique, c'est-à-dire qu'on s'en est servi pendant très longtemps dans l'Église pour montrer les raisons de croire, mais ça a été un peu abandonné, c'est très dommage. Une des grandes raisons de croire, c'est justement ce fait des prophéties dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet magnifique, mais qui est complexe, donc il faut le regarder en détail. Comme il le dit, la grande raison de croire, c'est ce fait des prophéties. Donc, Jésus pose question, est-ce que ce sont les Juifs ou est-ce que ce sont les chrétiens qui ont raison? Les chrétiens pensent que Jésus est le Messie attendu par Israël et les Juifs non. Donc est-ce qu'on peut raisonner avec des éléments concrets sur cette question très importante? Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, MDN explique qu'il existe une bonne méthode et une mauvaise méthode. Écoutons-le. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une mauvaise méthode et une bonne méthode. La mauvaise méthode, je m'excuse pour toi, c'est une méthode que j'appelle un peu protestante. Ça consiste à regarder en fait tout ce que nous on trouve correspondant à l'image du Christ dans les écritures d'Israël. Les protestants arrivent à trouver 150, 200 textes, pas seulement des prophéties, aussi des images, des figures, qui évoquent Jésus et ils disent « Regardez, on match les deux, on a Jésus qui est décrit dans l'Ancien Testament ». Mais quand cette méthode est employée, les Juifs l'acceptent pas bien. Dans l'histoire, il y a eu, au XIIIe siècle, une dispute célèbre à Barcelone entre un dominicain qui avait étudié les Écritures à fond, qui a convoqué un rabbin et lui a dit « Écoute, on va débattre et je vais te démontrer que Jésus est le Messie ». Donc il lui a fait la liste des prophéties, toutes celles qu'il avait collectées. Et le rabbin en face lui disait « Mais non, mais nous, c'est pas comme ça qu'on interprète. Sur cette prophétie, nos sages ont dit que c'était comme ça, ça concerne Ézéchias, c'est pas du tout le Messie, et patati patata ». Et donc cette méthode, elle marche pas pour une raison liée au protestantisme, c'est qu'un texte, on peut l'interpréter comme on veut. C'est la faiblesse d'une interprétation de ce type-là. Or, la révélation s'est incarnée dans un peuple, dans une culture, dans une langue, et donc il faut regarder tout ça à partir de la tradition juive. Et la tradition juive, pour elle, le Messie, c'est pas rien, c'est le centre, le cœur de tout. Nous pourrions nous attarder et parler des heures sur la dispute de Barcelone, où le Ramban, après y avoir participé, ensuite fut chassé d'Espagne par l'Église, suivi de l'Inquisition quelques dizaines d'années après, où des dizaines de milliers de Juifs ont été torturés. Mais ce n'est pas le sujet, comme le dit MDN. Donc là, MDN nous dit qu'il va utiliser la seule méthode qui a un sens. Les autres méthodes n'ont pas de sens, voire aucun sens. Dans le Talmud, donc le Talmud, vous savez ce que c'est, hein, c'est le recueil de toutes les traditions, on va dire, des Juifs. Dans le Talmud, il est écrit que tous les prophètes sans exception n'ont prophétisé que pour les jours du Messie. Donc, dans cette culture, il y a une tradition orale qui a accompagné de tout temps une tradition écrite. Si vous regardez la Torah de Moïse, Moïse donne beaucoup de commandements et il dit parfois qu'il faut faire les choses comme le Seigneur l'a ordonné, mais il n'y a pas d'éléments clairs où le Seigneur ait ordonné de comment on tue les animaux, comment on fait cette téphilim, tout ça. Donc, les Juifs ont une tradition orale qui leur vient de Moïse, qui a passé 40 jours sur la montagne avec Dieu, et sans cesse, cette tradition a existé, c'est ce qui a été mis dans les Talmuds. Comme on le voit dans le Talmud, page 97 du traité Sanhédrin, et dans la page 9 du traité Avodah Zara, qu'est-ce qu'il est écrit? Tana Debe Eliyahu, 6000 ans le monde existe. Donc, le monde à une durée de 6000 ans, 2000 ans de chaos, de création, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jour de Messie. Nous voyons que ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, jour de Messie, est une période très vaste de 2000 ans où le Messie est apte à venir. Les prophéties concernent cette longue période et pas seulement les jours où le Messie se dévoilera, contrairement à ce que MDN veut nous faire croire. On peut même faire une petite parenthèse sur ce point en disant que Jésus est venu bien avant cette période que nous appelons Yemot HaMashiach, les jours de Messie, plus de 300 ans avant. MDN, pendant quelques minutes, refait l'histoire du peuple juif. Donc passons, et il continue en disant cela. Et quand on regarde l'histoire des Juifs, Jésus est un point de basculement. Jusqu'à Jésus, les choses se passent d'une certaine manière. Mais après Jésus, c'est complètement différent. Le peuple d'Israël, avant Jésus, il a été extrêmement créatif en matière religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait sans cesse de la nouveauté par rapport au peuple environnant, c'était incroyable. Mais ils étaient nuls dans tous les autres domaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait en architecture, ils n'ont rien fait en science, ils n'ont rien fait nulle part. Nous allons citer quelques versets. Exode chapitre 28 verset 3, « Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles que j'ai doués du génie de l'art, qu'ils exécutent le costume d'Aaron. » Dans l'Exode chapitre 36 verset 1 et 2, « Donc Bezalel et Oliav et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, etc. etc. »
tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux. C'est incroyable que MDN puisse aussi facilement déclarer ce genre d'affirmation qui contredit la Bible, donc Dieu lui-même, qui déclare que les enfants d'Israël étaient des génies en architecture, en couture, en sculpture. Le Talmud a des dizaines de pages consacrées à l'astrologie, la physique, la chimie, l'astrologie, la psychologie, la médecine, la science, la zoologie, bref, on pourrait en parler des heures. Ces déclarations sont donc fausses. Les Juifs étaient loin d'être nuls, comme il le dit dans tous les domaines qu'il cite. Bref, on continue. Il n'y a plus aucune créativité nouvelle venant de Dieu, en tout cas dans le peuple juif. Ils font maintenant que des commentaires de commentaires. Ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de culte, ils ont refait le judaïsme à partir de là. Il n'y a pas eu de point de basculement comme MDN le prétend. Les prophéties ont cessé des siècles avant Jésus et le judaïsme qu'il appelle rabbinique a commencé 2 siècles après Jésus. Entre le temps, il y a eu la destruction du deuxième temple qui a amené les juifs à l'exil. Et tous ces événements n'ont aucun lien avec Jésus. MDN aurait aimé pour sa démonstration que Jésus ait eu un impact sur le judaïsme traditionnel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le judaïsme a tout simplement évolué avec le temps, comme il a évolué de Abraham à Moïse avec le don de la Torah, de Moïse à David avec l'entrée en Israël et la construction du premier temple, de David à Ezra, le dernier des prophètes, et son retour en Israël pour le deuxième temple, de Ezra à Shimon HaTzadik qui fut un des premiers Tana, et il continue son évolution et non sa transformation, avec la fin de la période des Tanaïm au deuxième siècle de l'ère chrétienne, ensuite par l'écriture du Talmud quelques siècles encore plus tard vers le sixième siècle de peur qu'il s'oublie, etc., etc. Bref, voir en Jésus un point de basculement du judaïsme, c'est soit de la mauvaise foi, ou soit de l'ignorance. On continue. Écoutons-le. Ça a été redéfini par le courant des pharisiens. Au temps de Jésus, le judaïsme avait une structure bien claire, mais il y avait différents courants. Vous aviez les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, les zélotes, les baptistes, enfin toute une série de groupements qui voyaient les choses un petit peu différemment. Les gens de Qumran d'ailleurs, qui étaient différents des esséniens. Très intéressant. Nous reviendrons sur ce passage en fin de vidéo. Mais après la destruction du temple, le courant pharisien va tout reprendre et tout refonder, fonder un judaïsme différent, sans culte, sans présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et de là vont sortir le Zohar, les Talmuds et tout ça. Voilà. MDN fait à présent des suppositions dont on ignore la source. D'ailleurs, il n'en cite pas non plus. Nous pensons que cela provient d'une connaissance erronée de l'histoire du peuple juif. En effet, les pharisiens n'ont rien refondé du tout. Ils sont la continuité du judaïsme traditionnel. La réalité des choses, c'est que les pharisiens ont durci leur interprétation, en particulier parce qu'ils étaient en polémique avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont redéfini pas mal de choses, à la fois parce qu'il n'y avait plus le temple, mais aussi parce qu'il y avait une polémique. Donc ça biaise un peu la tradition, parce que vers le 2e ou 3e siècle, on ne sait pas très bien, la tradition orale a été mise par écrit. Et est-ce que c'est la tradition du temps de Jésus? On ne sait pas. Mais ceux qui connaissent bien les choses disent que beaucoup d'anciennes traditions n'ont pas été éliminées et qu'on peut les retrouver dans le Talmud. MDN continue avec ses suppositions qui sont fondées sur rien du tout. Il n'y a jamais eu de polémique des juifs envers les chrétiens, ni d'envie de leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. Il y a eu simplement eu des efforts qui ont été faits afin que les juifs ne se christianisent pas. Nous pouvons même regarder dans l'histoire, un juif a-t-il un jour converti ou contraint un chrétien de se convertir? Non, le contraire a malheureusement coûté beaucoup aux juifs. Nous raconterons dans la suite de la vidéo quelle a été la vraie histoire de Jésus selon la tradition juive. Où je veux en venir par là, c'est que le Talmud parlait de manière très ouverte des événements qui s'étaient passés avec Jésus. Le seul problème, c'est que cela ne convenait pas à l'Église, qui, au Moyen-Âge, ordonna la suppression de tous les passages du Talmud qui osaient parler de Jésus et de son histoire. Ce sont les seuls passages que l'on peut dire qui manquent dans le Talmud, sinon tout le reste n'a aucunement changé jusqu'à aujourd'hui. Là, MDN annonce le début de la vidéo. Donc notre but, c'est de rejoindre la réalité de l'attente dans le monde juif telle qu'elle était au temps de la Vierge Marie. Et pour faire cela, on doit absolument partir de la tradition juive et on doit essayer de retrouver les traditions anciennes. Écoutons le plan de la vidéo par MDN. Alors, à partir de là, on va parcourir 30 prophéties. On va parler d'un homme spécial et d'une femme. On va voir l'annonce faite à tous les patriarches, la date de la venue qui était prévue et tous les aspects de la vie du Messie qui étaient annoncés dans la tradition juive. Et on va aussi montrer comment les Juifs réagissent avec 3 objections valables qui pourtant ne sont pas essentielles et qui ne justifient pas un rejet du Christ. On va voir que ces objections ont un rapport avec la venue glorieuse de Jésus qui est prophétisée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et on va conclure en rappelant 3 choses qui certifient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Nous allons voir toutes ces preuves ensemble, nous allons les analyser et nous allons analyser aussi les 3 objections des Juifs et voir si elles sont au nombre de 3 uniquement et si elles sont valables
et évidemment revenir sur ces trois choses qui prouveraient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Alors, si on commence sur l'objet de ces prophéties, elles définissent en fait pas seulement le Messie, mais aussi une femme. La femme qui est annoncée dans la Genèse, mais la femme aussi qui est la mère du Messie. Dans le monde juif, toutes les jeunes filles rêvent d'être la mère du Messie. MDN a apparemment beaucoup d'humour. Quelle femme rêve d'être la mère du Messie? Connaît-il peut-être une juive dans son entourage qui en a toujours rêvé? Cela fait assez rire car c'est une affirmation complètement en dehors de la réalité, qu'on se demande mais d'où il invente tout cela? Les femmes juives rêvent d'être la mère de grands en Torah, de justes, de tzadikim, de bons juifs. D'être la mère du Messie, on n'a jamais entendu. Bref, continuons. Et il y a un troisième personnage qui est annoncé de manière très sommaire à la fin chez Malachi et un tout petit peu chez Isaïe. C'est le précurseur du Messie que nous on reconnaît comme Jean-Baptiste. MDN dit que l'Église reconnaîtrait Jean-Baptiste. Je vous rappelle qui est Jean-Baptiste. C'est le précurseur de Jésus, celui qui l'annonce. Dans ses prédications, nous avons analysé tous les versets cités et écrits à son écran. Et nous avons eu beaucoup de mal à comprendre comment il voit l'image de Jean-Baptiste dans ces versets. Bien au contraire, dans 100% des cas, nous voyons que ces versets ne pouvaient aucunement parler de Jean-Baptiste. Malachi, chapitre 3, verset 1, « Voici que j'envoie mon messager. » MDN cite ce verset. « Voici que j'envoie mon messager. » Là aussi, nous allons voir qu'il est impossible que ce texte parle de Jean-Baptiste, car Malachi annonce carrément le nom du messager dans la suite du texte, tout à la fin. Malachi, chapitre 3, verset 23, « Or, je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour grand et redoutable. » Il ne s'agit clairement pas de Jean-Baptiste, mais d'Élie le prophète. Comment pourrait-on reconnaître Jean-Baptiste dans ce texte? Rappelons ce qui est écrit au sujet de Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Jean. « Et ils lui demandèrent, alors le peuple demandèrent à Jean-Baptiste, « Quoi donc? Êtes-vous Élie ?» Il dit, « Je ne le suis point. » « Êtes-vous le prophète ?» Il répondit non. Donc, même selon l'Évangile, Jean-Baptiste lui-même disait ne pas être le prophète. Soit ce que dit l'Évangile est faux, ou soit le lien que font les chrétiens entre Jean-Baptiste et Élie est faux. Il faudra qu'ils se mettent d'accord. Faisons une petite pause sur ce texte que MDN cite pour supposer que Jean-Baptiste aurait été annoncé dans le passage qu'il ramène. On prend juste la suite du texte, Malachi 3, versets 2 et 4. « Mais qui est de force à supporter le jour de son arrivée? Alors l'Éternel prendra plaisir aux offrandes de Juda et de Jérusalem, comme il le faisait au jour antique dans les années d'autrefois. » C'est intéressant de voir dans ce texte que lorsque viendra le Messie, alors Dieu prendra plaisir aux offrandes de Juda comme il le faisait au jour antique dans les années d'autrefois. Comment le Messie pourrait donc-t-il venir à une période où encore à ce moment, nous offrions des offrandes à Dieu? À l'époque du deuxième temple. Il est évident que nous devons donc attendre le Messie à une période où nous n'avons pas la possibilité de faire des offrandes à Dieu, donc pendant l'exil. Or, rappelons que Jésus est venu pendant une période où nous faisions encore des offrandes à Dieu, à la période du second temple. Donc ces versets qui parlent du Messie sont en contradiction avec la période à laquelle le Messie est arrivé selon les chrétiens. Continuons dans ce même texte, Malachi 3, 22, encore une fois, hein, c'est le même texte qu'il prend pour prouver quelque chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le mont Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. Un petit rappel dans ce même texte de l'importance de garder la loi de Moïse, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Pour résumer ce passage, en deux mots que MDN cite, Jean-Baptiste ne peut pas être le précurseur du Messie. N'étant pas Élie, Jésus est arrivé à la mauvaise période pour prétendre être le Messie. Et dernière chose, à l'époque du Messie, on devra se souvenir de la loi de Moïse, des ordonnances de Dieu et de tous ses commandements. On voit bien à quel point le passage qu'il cite est en contradiction totale avec ce qu'il essaie à tout prix de démontrer.